Plus près de vous. Plus près de vous. Plus près de vous. Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice, des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réunis à la même enseigne. Plus près de vous. Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. C'est la vie au quotidien. Bonjour à vous, Sbah el Khair, Azoul Flaoun, comment vous allez, chers auditeurs? J'espère que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, nous profitons de ces belles journées automnales. Le ciel est si beau. On peut profiter pour faire de la marche et profiter aussi même de la mer. Certains vont encore au bord de mer pour profiter des derniers jours de la mer et ça fait du bien au corps et à l'esprit. 10h03, alors ce dimanche 24 septembre, à peu près 6 jours avant la fin du mois de septembre, ça y est, les enfants sont à l'école. Aujourd'hui c'est aussi la rentrée universitaire, donc bonne chance aux étudiants. J'espère que ça se passera bien pour eux et qu'ils feront une bonne année et qu'ils ne vont pas décrocher, ça c'est important. Aujourd'hui on s'intéresse dans plus près de vous, et bien à la RAJE, une journée d'études a été organisée au niveau de l'École Nationale de Santé Vétérinaire. Nous en saurons un peu plus avec nos invités qui sont déjà installés. Docteur Yahyaoui Fatima, les maîtres de conférence au niveau de l'École Nationale de Santé Vétérinaire, et professeur Ben Mehdi Mariam Hind, elle est professeure à l'École Nationale de Santé. On reviendra sur cette journée d'études et évidemment état des lieux et comment se protéger de la rage animale. D'ailleurs, il sera question dans la rubrique de Hafed Ahmouch qui revient au magazine plus près de vous. Elle nous parlera de sa rubrique justice et aujourd'hui elle a choisi de parler des lois qui régissent évidemment cette rage animale. Voilà, j'espère que le thème vous intéresse. En tout cas, restez près de nous. Jusqu'à 11h, on est ensemble. Vous appelez au 021 48 15 15 ou bien réagissez sur la page Facebook plus près de vous. Hakim Ben Moussa aux commandes. Badia Ahdet jusqu'à 11h. Yannes Djouroulia, Djouroulia, on va parler de la rage. Merci, Hakim Ben Moussa. Djouroulia, on lui souhaite une bonne santé, Hakim Ben Moussa, voilà. 10h08, on démarre, il est tout de suite l'heure de la rubrique. Plus près de vous. Besoin de comprendre, de savoir. Justice, c'est tout simplement notre métier. Tout simplement notre métier. On parle ce matin de la rage animale avec vous, Hafed Ahmouch. Bonjour, bonjour, bon retour Badia, au magazine. Et je vous souhaite une bonne saison, une belle saison, bonne santé. Inch'Allah, merci beaucoup. Alors ce matin, on s'intéresse à la lutte contre la rage animale qui est régie par décret et qui fixe la nomenclature des maladies réputées contagieuses, mais également par arrêté des ministères de l'Agriculture, de l'Intérieur et de la Santé. Mais que prévoit cet arrêté, Hafeda? Alors, Badia, cet arrêté prévoit notamment la vaccination régulière des chiens de plus de 3 mois, la définition du chien errant et indique les modalités de contrôle de ce type de chien et les mesures à prendre et la conduite à tenir dans un foyer déclaré de rage. Il faut savoir que la rage est une maladie contagieuse qui donne lieu à déclaration et application de mesures sanitaires spécifiques, et lorsque le diagnostic de rage a été confirmé par un laboratoire agréé ou par un médecin vétérinaire, le wali peut immédiatement déclarer zone atteinte par la maladie tout territoire défini selon les nécessités dans lesquelles a été trouvé l'animal enragé. Cet arrêté du wali portant déclaration d'une zone atteinte par la rage est affiché dans toutes les APC et les lieux publics de la zone en question, et dans les territoires couverts par un arrêté du wali déclarant la zone atteinte de rage, les chiens doivent être tenus en laisse et muselés. Toute personne qui a constaté chez un animal les symptômes caractéristiques ou si elle en a la garde ou la
charge des soins, procéder ou faire procéder à son abattage sur place et sans délai et en aviser le vétérinaire de la circonscription ou le président de l'APC. Tous les animaux abattus pour cause de rage doivent immédiatement être enfouis sur place, Bédéra. Alors qu'en est-il des animaux vivants à l'état sauvage, c'est-à-dire qui n'ont pas de propriétaire? Comment ça se passe et comment bénéficier d'une dérogation à l'abattage des animaux contaminés de rage, Hafeda Hamouch? Alors lorsqu'ils sont reconnus atteints de rage, les animaux vivants à l'état sauvage sont abattus sans délai, soit par les agents de la force publique, soit par les agents chargés de la police, de la chasse ou toute personne titulaire d'un permis de chasse est requise par le président de l'APC. Alors les chiens errants dont la capture est impossible ou dangereuse sont abattus sur place. Le président de l'APC, qui dès qu'il a eu connaissance d'un cas de rage, est tenu de s'assurer de l'exécution des opérations d'abattage et d'enfouissement. Maintenant, pour bénéficier d'une dérogation à l'abattage d'un chien contaminé de rage, le propriétaire doit faire une demande écrite à l'inspecteur vétérinaire de la wilaya où la contamination s'est produite. Et dans cette demande, le propriétaire indique qu'il accepte de prendre l'entière responsabilité des éventuelles conséquences résultant de la conservation de son animal. Tout chien contaminé de rage bénéficiant de la dérogation à l'abattage est placé sous la surveillance d'un vétérinaire pendant une durée de 3 mois et sera soumis aux frais du propriétaire à la visite d'un vétérinaire à l'issue de chacun de ces mois de surveillance. Et enfin, la surveillance est levée à l'issue du 3e mois si aucun symptôme de rage n'est constaté. Toutefois, le propriétaire doit s'engager par écrit à ne pas se dessaisir de l'animal avant l'expiration d'un nouveau délai de 9 mois. Merci Hafeda Hamouch pour la rubrique donc dédiée ce matin à la rage. C'est notre thème principal. Il est tout juste 10h12. Plus près de vous. C'est tout simplement notre métier. Tout simplement notre métier. La rage est toujours responsable aujourd'hui de dizaines de milliers de décès humains chaque année. Le poids de la maladie est supporté essentiellement par l'Afrique et l'Asie, où le chien est le principal vecteur de transmission à l'homme. On parle de 59 000 décès annuels dans le monde, principalement en Afrique et en Asie. Mesdames, bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Merci pour l'invitation. Bonjour professeur Benmehdi Mariem, je rappelle que vous êtes professeur à l'École nationale de vétérinaire et madame et docteur Yahyaoui Fatema, maître de conférence. Alors vous avez dédié le jeudi à une journée d'études. Pourquoi ce choix? Parce que la semaine, je pense, de la date mondiale de la rage, c'est à partir de la semaine prochaine, je pense. Oui. Allez-y, docteur Yahyaoui. Bonjour, chers auditeurs, je vous remercie pour l'invitation. Je vous en prie. Alors effectivement, nous avons organisé une journée d'études sur la rage à l'École nationale supérieure vétérinaire qui s'est tenue le jeudi 21 septembre. Oui. Et c'était une célébration un peu précoce de la journée mondiale de la rage qui, en principe, a lieu le 28 septembre de chaque année. Et le but de cette journée était, entre autres, de regrouper différents acteurs engagés dans la lutte contre la rage pour justement créer des liens, parler d'une stratégie de lutte, parler d'un état des lieux aussi de cette maladie qui sévit malheureusement à l'état endémique en Algérie. D'accord, donc. Et donc vous avez fait un état des lieux, allez-y, professeur Benmehdi. En fait, comme l'a rappelé le docteur Yahyaoui, bon, je saisis l'occasion pour aussi souhaiter une excellente rentrée aux à toute la communauté universitaire. Les premiers cours démarrent aujourd'hui, et donc en particulier aux nouveaux bacheliers. Oui. Ceci étant dit, effectivement, il s'agissait, comme l'a dit, nous avons un petit peu initié cette semaine, puisque toute la semaine est dédiée à la prévention et à la sensibilisation contre la rage dans le monde, et en particulier en Algérie. Donc il y aura un certain nombre d'activités qui vont être mises en œuvre par différents secteurs, que ce soit de la santé ou de l'agriculture ou les médias, comme aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est une journée de sensibilisation. Donc, l'École nationale supérieure vétérinaire et le laboratoire de recherche de santé et production animale a initié cette première journée d'études nationales sur la rage au niveau de l'école pour essayer de réunir les différents acteurs, que ce soit nos collègues de la direction des services vétérinaires
vétérinaire et de l'agriculture, que ça soit la direction de la prophylaxie au niveau du ministère de la Santé, l'Institut national de santé publique, l'Institut Pasteur, qui est aussi partie prenante de cette lutte contre la rage, qui est un maillon important de cette stratégie de lutte. Et donc, ce qui nous a permis un petit peu de réunir les différents acteurs, d'échanger, parce que l'objectif était aussi de coordonner et d'échanger avec tous les secteurs qui sont concernés. De communiquer, de partager un petit peu nos informations, nos données, pour essayer un petit peu de se mettre au même diapason et travailler de manière concertée, de manière harmonieuse, pour essayer d'être plus fort contre la rage ensemble. D'accord. Alors, quel état des lieux vous avez pu faire, docteur Yahyaoui, maître de conférence, par rapport à cette journée? Vous avez un retour? Effectivement, alors comme je en Algérie, donc la rage sévit encore à l'état enzéotique chez l'animal, et le chien est le principal vecteur, donc dans la majorité c'est le chien qui est responsable de la transmission à l'homme. Donc, jamais le chat? Si, le chat, le bovin, en fait. Mais la on rage, parle plus du chien, du pourquoi chien. On parle plus du chien. Bon, peut-être qu'il y a aussi une sous-estimation des cas transmis par les autres animaux, mais tous les animaux, tous les mammifères sont concernés, et principalement les carnivores domestiques. Bon, le chien, il est responsable en Algérie d'environ 65% des cas. D'accord. Et le chat, il est responsable d'environ 23%. D'accord. Donc, il ne faut pas négliger les carnivores domestiques particulièrement. Il faut vraiment faire attention à la rage, parce qu'elle peut émaner de ces espèces-là. Le chien, il est mis en cause en Algérie, principalement, et dans le monde aussi. Et c'est le vecteur, on va dire, de la maladie. En premier lieu. De la rage, en premier lieu. Et donc, il y a environ 900 cas de rage animale recensés par la direction des services vétérinaires, entre autres, et environ 15 à 20 cas chez l'homme. D'accord. Voilà. Annuellement. Annuellement, tout à fait. Alors, est-ce qu'on a en a en plus, ou ça a diminué par rapport aux autres années? Est-ce qu'il y a eu des comparatifs? Alors, par rapport, comme l'a dit votre collègue tout à l'heure, la rage est une maladie réglementée. Mmh. C'est une zoonose majeure. C'est une maladie prioritaire. Elle bénéficie d'un plan de lutte national qui est axé principalement sur la vaccination obligatoire des animaux domestiques, donc qu'ils soient chiens, chats, bovins, équins. Donc, les animaux doivent être vaccinés obligatoirement. Et aussi sur... Mais qui contrôle cela? Comment on peut savoir s'ils sont vaccinés ou pas? Est-ce que je pense que c'est le ministère de l'Agriculture. Professeur Benahmadi. Si vous permettez, il faut savoir aussi, c'est vrai qu'il y a, on a 15 à 20 cas de rage mortelle, c'est-à-dire de décès liés à la rage. Néanmoins, nous avons environ 120 000 personnes. Au niveau urbain ou rural? Non, c'est urbain et rural. C'est, par exemple, sur Alger, sur la wilaya d'Alger, nous pouvons avoir jusqu'à 10 cas. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas que les communautés rurales qui sont touchées. Vous avez des villes comme Oran, comme Sétif, comme les wilayas de Sétif, Tizi Ouzou par exemple, Alger, Tlemcen, qui sont tout aussi touchées. Donc la rage sévit pratiquement au niveau de toutes les wilayas. Maintenant, les cas mortels de rage, effectivement, et Dieu merci, les décès liés à la rage sont réduits à 15 à 20%. C'est 20 cas de décès par an. C'est toujours trop. Bien sûr. C'est toujours trop. D'autant plus qu'il y a un plan national, d'autant plus qu'il y a de la sensibilisation. Néanmoins, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces 120 000 personnes qui ont été exposées à des morsures ou des griffures, ou exposées à des cas suspects de rage, et qui vont nécessiter une prise en charge sur le plan thérapeutique, donc vaccinothérapie, sérothérapie. On arrivera après à savoir quelle est la prise en charge. Donc on est dans l'état des lieux. Non, mais l'état des lieux, c'est que c'est l'équivalent de 300 millions de dinars par an de traitement. Donc il y a un coût, un impact économique, un impact psychologique, mais également un impact économique de la prise en charge de cette pathologie. Effectivement, les pouvoirs publics ont mis les moyens, mais là, on a encore une marge de progression, et l'objectif d'ici 2030, parmi les directives de l'OMS, de l'OMSA et de l'OMS, c'est d'arriver à zéro cas de rage, de décès dû à la décès humain dû à la rage. On y est arrivé une fois ou pas chez nous?
Non, tant que tous les ans, bientôt, on a quand même... Bientôt, voilà, espère que bientôt oui, on va arriver. J'espère aussi. Alors, l'état des lieux, mais rappelons-le, peut-être pour les auditeurs qui sont à l'écoute, les symptômes, les causes, qu'est-ce que c'est? Alors, la rage... C'est un virus, c'est une maladie, voilà. C'est une maladie virale, donc c'est dû à un virus, c'est un lyssavirus. Mmh. Et c'est un virus qui touche tous les mammifères à sang chaud, donc le chien, le chat, les quins, y compris l'homme. Les poules, les moutons? Non. Pas les oiseaux, les mammifères à sang chaud. Voilà, à sang chaud, donc les oiseaux ne sont pas touchés par la rage. C'est une maladie donc virale, et la particularité de cette maladie, c'est que le virus va se retrouver dans la salive des animaux atteints. Et c'est pour la raison pour laquelle c'est une maladie inoculable qui va être transmise par morsure ou par griffure. Donc si l'animal... Ou tout simplement léché, parce qu'on les voit, si ils lèchent le remède. Voilà, ça, si on a une peau lésée, des lésions sur la... Voilà, avec l'échage d'un animal enragé. Donc ça peut transmettre la rage. C'est la raison pour laquelle il faut impérativement vacciner ces animaux. Quand on a des animaux domestiques, il faut les vacciner. Et il y a aussi une chose importante qu'on n'a pas dit, les cas de rage, malheureusement, surviennent à 40% chez les enfants. Ah bon, chez les enfants. Et pourquoi? Parce qu'un enfant... Et encore innocent, il ne connaît pas le danger de la maladie. Sûr. Pour lui, un animal, c'est... Il est toujours content de l'avoir, de le caresser. Peut-être de le nourrir. Mmh. En rentrant de l'école, peut-être se faire griffer ou mordre par un animal. Et là, c'est là où se situe le danger. Donc, trois façons. Donc, morsure, griffure ou léchage. Et environ dans 30% des cas, si vous permettez, dans 30% des cas, on a constaté que les gens ne déclaraient pas qu'ils avaient été en contact avec un animal ou qu'ils avaient été griffés ou mordus ou léchés. Et donc, à partir du moment où ils ne déclarent pas... Ou peut-être que pour eux, c'est anodin. C'est pour ça qu'il faut rappeler. Donc, léchage, morsure... Morsure d'un animal que vous ne connaissez pas, pour lequel vous ne connaissez pas le statut rabique, le statut infectieux, pour lequel vous ça, parce que la rage ne veut pas dire animal obligatoirement un animal agressif. C'est ça un petit peu. Parce que nous, vétérinaires, on nous a appris que rien n'est rage et tout est rage. Que vous avez, on a deux différentes formes cliniques. Ça veut dire qu'on ne peut pas, à vue d'œil comme ça, reconnaître si ce chat ou ce chien est enragé. Vous avez parce qu'on ne vous dit pas qu'il salive ou il est un peu... Quels sont les symptômes pour qu'on puisse être interpellé en fait, il y a plusieurs formes. Il y a une forme, ce qu'on appelle nous la forme furieuse que vous décrivez, dans laquelle vous avez cette hyperactivité, cette agressivité, cette salivation, cette hydrophobie. L'animal, il a peur des courants d'air, il a peur aussi cette hydrophobie, il a peur de l'eau. On a toujours rapporté ce symptôme-là. Mais également, en contrepartie, il y a une autre forme qui est une forme muette, paralytique, dans laquelle vous n'avez aucun de ces symptômes. Et donc, on se dit, il est dans son coin, on va le caresser. Et c'est là où le danger est latent. Et en fonction de la période ou de la durée d'incubation, eh bien, vous avez un animal qui est au début ou à la fin, mais qui est excréteur dans sa salive du virus rabique, donc qui est contaminant et contagieux, et pour lequel on ne va pas prendre garde, on va le caresser. Donc vous pouvez vous faire mordre ou vous faire griffer, mais vous pouvez également avoir une lésion où la peau est scoriée, vous faire lécher, et là c'est une porte d'entrée au virus. Et la période d'incubation chez l'homme peut être extrêmement longue. Ça peut aller de quelques jours, quelques semaines, mais jusqu'à plusieurs mois, voire un an. Donc, c'est pour ça que la déclaration du fait d'être entré en contact avec un animal suspect ou dont le statut est indéfini est extrêmement important. Il faut parler, et c'est un des objets de la sensibilisation. De la sensibilisation pour votre journée d'étude. Mais est-ce que, donc, finalement, il faut travailler plus en direction des enfants? Oui, des petits. Des petits. Professeur Ifyaoui. Des petits. Alors, aussi, peut-être sensibiliser les parents. Donc, si une famille... Nous, en Algérie, on a tendance à nourrir des animaux sans qu'ils nous appartiennent directement. Oui, bien sûr. C'est plus les chats, je pense. Voilà, on plus a plus ce rapport avec les chats qu'avec les chiens. Qu'avec les chiens, peut-être les chiens dans les milieux ruraux, parce qu'il ne faut pas oublier que par exemple, là où il y a les fermes, des zones rurales enclavées où l'accès à la vaccination n'est pas évidente. Et il ne faut pas aussi négliger cet aspect-là. Et justement, la rage et...
Donc nous avons aussi effectué d'autres études qui ont montré que ces régions-là pourraient être concernées. Donc il faut vraiment faire attention. Mmh. Et quand on a un animal, il faut le retenir, il faut le faire vacciner. D'accord. Donc voilà. En premier lieu, donc la vaccination des animaux, voilà. Où que vous soyez, vous avez voilà. votre animal chien de compagnie ou, voilà. ou chat. La vaccination voilà. est obligatoire. Mmh. D'accord. Voilà. Un petit retour du nombre. On le sait, combien d'Algériens sont on le voit de plus en plus. Il y a beaucoup d'Algériens qui ont des animaux, des chiens. Hein. Malheureusement. Vous avez remarqué. Ouais. Malheureusement, ouais. justement. C'est très en vogue. Mais... Oui. C'est la pré-Covid, je pense, qui a joué aussi. Oui, voilà. Tout à fait. Nous n'avons pas une estimation réelle de la population des carnivores en Algérie. Ouais, et c'est très important de l'avoir. Bien parce sûr. Que cela va définir justement le plan de lutte et son succès. Mais vous-même, en tant que vétérinaire, vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus. On oui, les voit oui, hein, oui, dans, bien les, sûr. Dans les rues avec même des chiens qu'on n'a pas l'habitude un peu polaires. Voilà, effectivement. Donc, est-ce qu'ils sont vaccinés, tous ces chiens-là? Ah, ben je l'espère, ouais. en tout cas. Comment se fait l'approche? Est-ce qu'on les sensibilise, professeur Benmehdi? Alors, nous, ce qu'on a comme constat en tant que vétérinaire, c'est qu'effectivement, quand l'animal, c'est un nouveau venu dans la maison, quand c'est un chiot, alors tout le monde est aux petits soins. Et en règle générale, les premiers mois, dans la majorité, surtout quand ce sont des chiens qui ont été acquis, qui ont coûté relativement cher à l'achat et tout, et bien de race ouais. entre guillemets de race, ouais. donc ils vont être à jour de leur vaccination. Ouais. Mais après, dans les années qui suivent, les gens sont un peu moins, on va dire, il y a une tolérance, on va dire une observance qui se réduit des rappels de vaccination, ouais. et donc automatiquement, on se dit ce n'est pas grave, et on a tous tendance à le faire. À rater des rappels et tout, on va attendre ceci, cela. Mmh. Et alors que normalement, il faut le rappeler que la vaccination des canidés, que ce soit des chiens et des chats, est obligatoire depuis 1996. Mmh. L'obligation de la vaccination a été étendue aux bovins en 2003, mais normalement, chaque propriétaire a l'obligation de vacciner son chien et son donc chat et être à jour avec un carnet de vaccination. Ouais. Combien coûte une vaccination? Une petite idée, vous avez, alors, mesdames? À l'école, vous le faites venir, gratuitement. C'est pratiquement gratuitement. C'est symbolique. C'est symbolique. Ouais. C'est vraiment symbolique. Donc il n'y a aucun frein à la vaccination au niveau des instituts vétérinaires et au niveau des écoles vétérinaires. Il y a même des associations. Tout à fait, qui le font gratuitement. Et le ministère de l'Agriculture lance chaque année des campagnes de vaccination gratuites à l'attention du grand public. Mmh. Et dans le cadre de la journée nationale que nous avons organisée au niveau de l'école, il y a eu, en marge de cette journée d'études, un atelier de vaccination gratuit. Vous avez vacciné combien de chiens et de chats? Alors, on a vacciné tous les chiens et chats qui se sont présentés à l'école. Qui ont tourné dans l'école. On a eu beaucoup de propriétaires qui sont arrivés puisqu'on nous avions transmis l'information. Nous avions diffusé cet appel à vaccination via les réseaux sociaux. Et donc, nous avons eu un retour. Les gens, en fait, ils n'ont besoin que, on va dire, d'être aidés, d'être sensibilisés et d'être attirés et de faciliter la chose. Oui. En fait, c'est ça. Je crois que la difficulté, c'est qu'il faut que cet acte de vaccination devienne plus simple et beaucoup plus accessible. Pas compliqué, pas de rendez-vous, il faut que ça se fasse automatiquement. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on retient pour la première demi-heure, la vaccination de tous les animaux domestiques ou errants, il faut le faire. On revient peut-être ceux qu'on voit comme ça dans la nuit ou au petit matin, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Peut-être les signaler, ces chiens. Souvent, à 5h ou 6h du matin. Professeur Yahyaoui. Alors, justement, c'est plutôt ça, le problème. C'est ça, le grand problème, parce qu'en fait, la rage, elle émane des animaux errants, des animaux sauvages. Donc, c'est une maladie qui vient de l'environnement, qui vient des chiens errants principalement. Réservoir principal. Et là... Il y a une action justement sur ces animaux-là. Donc le plan de lutte nationale en vigueur actuellement
vise à les éliminer. Mais les instances internationales et surtout dans le cadre de la protection, dans le cadre du zéro cas de rage à l'horizon 2030, on recommande la vaccination massive des chiens. Mmh. Et là, c'est important. Mmh. Et donc, ces animaux-là... Donc, c'est le ministère de la Santé, en fait, c'est l'agriculture. C'est tout le monde. Mmh. Parce qu'on va justement, c'est ce qu'on appelle une approche One Health, qui met en synergie les différents secteurs, que ça soit l'agriculture, la santé, l'environnement, le ministère de l'Intérieur. Donc, tout le monde devrait agir ensemble pour justement arriver à maîtriser cette maladie et à gérer la prolifération justement de ces chiens. Oui, je pense que ça démarre de là. Oui, allez-y, il y a puis une petite pause. Si vous permettez un complément, effectivement, le docteur Dahiaoui l'a bien souligné, il s'agit de limiter la prolifération et donc la multiplication de ces animaux et de ces chiens errants. Multiplier la prolifération... pendant un moment, effectivement, ça a été une des méthodes, ça a été l'abattage, mais nous pouvons également aller vers la stérilisation, parce que le problème de l'abattage, c'est que vous n'allez jamais pouvoir capturer et abattre toutes ces meutes. Donc vous êtes en train de, c'est-à-dire vous favorisez une sélection un petit peu naturelle des plus forts et qui vont pouvoir avoir un accès beaucoup plus simple à la nourriture. Et là, c'est pour ça que je voudrais juste attirer l'attention sur la gestion des déchets ménagers. Puisque c'est un point d'alimentation pour ça les attire, hein, ça attire, ça leur permet aussi de donc se renforcer. Donc c'est bien fermer son sac de poubelle. C'est de bien fermer son sac de poubelle, le sortir aux horaires d'enlèvement ou net comme de passe, cette collecte ou extranet. Et éviter de faire déborder ces poubelles qui sont déjà malheureusement c'est un crève-cœur et c'est une pollution visuelle olfactive, mais également une source de nuisibles et une source de maladies contagieuses. Y compris comme ça permet de faire le réservoir et de renforcer cette population canine. Mmh. Deuxième cas, c'est comme là aussi, c'est de procéder à une vaccination massive de cette population de canidés, parce qu'il y a le réservoir des chiens errants, mais nous avons également un réservoir sauvage qu'il ne faut pas négliger en Algérie, puisque nous avons un pays on a des massifs forestiers importants dans lesquels nous avons ça, c'est pas évident canidés. Quand même, hein, dans les massifs là, forestiers, se retrouver... C'est notre stratégie qui va être mise en place sur des appâts. Oui. En fait, c'est une vaccination orale qui devrait être mise en place pour pouvoir atteindre ce type de population de canidés sauvages, parce que le réservoir, il est là, au niveau des canidés sauvages, voire au niveau des chauves-souris. D'accord. On revient vers vous, chers auditeurs. Il est 10h32 minutes. Est-ce que vous avez un animal à la maison ou si vous êtes, si vous avez une ferme est-ce que vous êtes sérieux dans la vaccination de votre animal? Dites-le nous au 021 48 15 15. Il est 10h33. Une petite chanson et on revient vers vous. Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. Besoin de comprendre, de savoir, plus près de vous. C'est tout simplement notre métier, tout simplement notre métier. Un réveil tout en douceur dans votre émission Plus près de vous. J'espère que vous êtes branchés Radio Alger, chaîne 3. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Nous sommes le dimanche, le lundi et le mardi en votre compagnie. Vous pouvez réagir sur la page Facebook de l'émission. Ce matin, on s'intéresse à cette journée d'études qui a eu lieu au niveau de l'école de vétérinaire de l'Harrach. Vous êtes toujours à l'Harrach ou il y a eu changement d'adresse? Pas très 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 loin. On est au niveau de Watsmar, tout près de Babzouar. Oui, vous avez, il paraît, une belle... une très belle école. Tout à fait. Il faudrait qu'on fasse un tour. Avec plaisir. Alors, 10h36 minutes, on prend un appel. Nous avons Boudjma Adoulet Faïd. Bonjour Boudjma. Bonjour mesdames, merci pour cette émission. Merci à vous Boudjma. Alors vous avez un animal, un chien, un chat? Je l'ai deux, j'ai un chat et un chien. D'accord. Et comment il s'appelle votre chien et comment s'appelle le chat? Alors la chatte c'est Chanel et le chien c'est Wolf. Yes, elle Chanel, j'adore. Alors, quelle est votre question? Ils sont vaccinés ou pas, d'abord? Ah oui, effectivement, ils sont vaccinés. Mmh. Je les suis d'une façon rigoureuse concernant les vaccins. Okay. Mais néanmoins, je voudrais intervenir concernant l'alimentation des chiens et des chats. Oui.
Même si ce n'est pas le thème, mais peut-être que ça rejoint. Ça fait partie, je ne sais pas, là. Parce que voilà, on rencontre vraiment un problème colossal depuis la cessation de l'importation. Parce que ce que je ne comprends pas, parce que par exemple, les chats et les chiens, je ne comprends pas. Il y a, c'est vrai, il y a certains qui fabriquent l'alibok, d'ailleurs. Il n'est pas vraiment allé d'une façon... Et je vais vous le dire, par exemple, un chiot, vous ne trouverez jamais des croquettes pour chiot. Oui. Mais on peut lui donner un peu de riz. Qu'est-ce qu'on peut donner à un chien, mesdames les vétérinaires Même si ce n'est pas le thème, hein, Boudjmar. Madame, voilà, la chatte, par exemple, elle prend des croquettes, elle ne prend que des croquettes, elle prend pas autre chose. J'achète des croquettes d'importation qui sont qui coûtent cher, bien sûr. Ben oui, ça coûte trop cher, ça coûte 3000 dinars le sac. Donc, et pour le chien, je suis obligé de lui faire la popote tous les jours. Eh oui, c'est du travail, parce que vous les aimez, vos animaux. mais le vaccin, comment vous organisez? Vous le faites annuellement ou comment ça se passe? Non, il y a des vaccins automatiquement. C'est automatiquement, il y a pour que le chiot, parce que quand il était petit, donc il avait fait son premier vaccin à 2 mois. Il avait fait un rappel à 3 mois. Et à 4 mois, il avait fait son vaccin de la rage. Est-ce que c'est correct, mesdames? On peut intervenir pour notre auditeur, Boudjmar. Allez-y, professeur. Alors là, il s'agit les vaccins du chien. Donc, la vaccination du chien commence à l'âge de 2 mois. Donc, pour d'autres maladies spécifiques aux chiens, donc le CHLP, bon, c'est pas notre thème. Le rappel devrait se faire à 3 mois. Et oui, peut faire la rage aussi à 3 mois. Donc on peut les faire ensemble ou à 4 mois aussi, c'est correct. Mais la primo-vaccination contre la rage, elle se fait à l'âge de 3 mois. Voilà. Et donc il est à jour, Boudjmar, avec ses animaux. Tout à fait. Et il faut impérativement faire le rappel annuel. Le rappel annuel pour la rage, il est obligatoire. Donc, vous avez fait le rappel annuel? Non, il a 4 mois. D'accord. Voilà. Ok. Et maintenant, on va voir quelles sont les propositions, peut-être, pour bien nourrir. Allez-y. Merci. Restez à l'écoute, à travers les ondes. Madame, voilà, je voudrais intervenir dans un autre volet. Rapidement, allez-y, pour laisser la place à d'autres auditeurs. Oui. Pourquoi les autorités européennes ne font pas ils ne reconnaissent pas nos vaccins concernant la rage? Parce que là, quand on veut, par exemple, amener notre chat ou là, notre chien à l'étranger, on est obligé de passer par un laboratoire français. On est obligé de faire un prélèvement, l'envoyer par DHL. Oui, et ça coûte de l'argent. OK. Eh ben, écoutez, la réponse tout de suite. Parfait. Merci à vous. Prenez bien soin de vos animaux. Qu'est-ce qu'on peut répondre à notre auditeur de Oulette Fayette? Allez-y, docteur Yahoui. Professeur Yahoui. Par rapport à le fait de faire un contrôle sérologique pour faire voyager son chien, en fait, parce qu'en Europe, c'est une zone indemne de rage. Donc, ça fait partie de leur stratégie défensive. Ils ont 0 cas de rage animal. Donc, tous les cas... Canidés, plutôt. Tous les cas de rage chez le chien sont des cas de rage importés. Donc, c'est une stratégie défensive. C'est-à-dire qu'ils font attention à ce qu'ils font rentrer. C'est pour ça qu'un contrôle strict s'effectue à leur niveau. Et le but, en fait, de ce contrôle, c'est de contrôler que la vaccination effectuée donc ici ou dans n'importe quel autre pays est réellement effective. Donc le but est de faire une prise de sang pour faire un titrage d'anticorps anti-rabies qui devrait être supérieur. Mais est-ce qu'on ne peut pas le faire ici en Algérie? Est-ce qu'on ne réfléchit pas pourquoi? En fait, c'est un test qui se fait dans des laboratoires de référence. Il y a des laboratoires de référence certifiés Organisation Mondiale de Santé Animale, et malheureusement, on n'a pas un laboratoire certifié ici. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, il ne faut jamais oublier que malheureusement, nous sommes encore un pays endémique de la rage. Et donc, automatiquement, même si votre animal est vacciné, lorsque vous partez en voyage, il n'est pas dit que cette vaccination, si elle arrive en bout de secours, c'est-à-dire que nous sommes dans
dans les derniers mois. Mmh. Est-ce que la couverture vaccinale, le titre sérologique de la de votre animal est toujours protecteur, c'est-à-dire qu'il est suffisamment protégé et qu'il n'a pas été ou en contact et contaminé. Donc c'est pour ça que il y a cette exigence sur le plan international si on veut faire voyager nos animaux. C'est pour ça qu'il faut tendre vers le zéro cas et oui, c'est pour ça qu'il faut éradiquer cette rage-là. Mais ce n'est pas, c'est-à-dire ce n'est pas dirigé en particulier contre notre pays. C'est une règle internationale qui est appliquée pour tous les pays qui sont dans le même cas que nous. Une petite réponse pour par rapport à la nourriture, qu'est-ce qu'on peut lui proposer à notre auditeur pour un petit peu s'adapter. L'aider. Une alimentation équilibrée. Oui, il faut s'adapter. Voilà. Donc, mais ça veut dire qu'il doit cuisiner. C'est du travail. Hein. Bon courage à vous, Boudouma. 10h43, Abdelrahman d'Alger. Bonjour Abdelrahman. Bonjour. Êtes en direct. Comment ça va Abdelrahman? Merci beaucoup. Et c'est le mec. Je vais faire court. Je voulais vous poser une question. Oui. Je voulais avoir une idée sur la durée d'incubation de la rage. D'accord. Je vous cite le cas d'une jeune fille de 14 ans qui a eu la rage, sans qu'il y ait une notion de griffure, de morsure ou de léchage. Oui. Et dans l'interrogatoire qu'on a amené à El Queta, la maman nous a signalé que 2 ans auparavant, elle aurait été griffée par un chat errant dans la rue. Et on nous a dit que c'est bien la rage. Et ça s'est confirmé que c'était bien la rage. Donc, une incubation de 2 ans, est-ce que ça existe? D'accord. Est-ce que vous êtes... Oui, allez-y. Allez-y. Oui. Non. La deuxième question, j'ai bien sûr des chats à la maison que je nourris, que je vaccine. Oui. Mais ils sont à la maison, ils ne bougent pas, ils sont dans le jardin. Est-ce qu'il y a un risque pour ceux qui sont même dans le jardin, s'il y a risque qu'elle... Ok, et ben la réponse à travers les ondes. Merci, Abdelrahman. Allez, bonne journée à vous, mesdames, professeur Ben. Alors effectivement, il y a eu des cas qui ont été reportés d'incubation supérieure à 12 mois, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça peut être des incubations. Il a parlé de 2 ans là. Hein. Oui, bon, on va peut-être modérer le 24 mois, mais en tout cas, des cas de rage qui ont été d'incubation de la rage supérieure à 12 mois peuvent exister. Ils sont relativement, on va dire, rares, mais ça reste possible. D'accord. Donc c'est pour ça que la déclaration est importante. Déjà, dès qu'on est en contact, dès qu'il y a une suspicion, il est important de déclarer. Très souvent, même nous adultes, on fait abstraction, on a l'impression que c'est anodin, que ce n'est pas grave. Une petite griffure, un petit truc, on a l'impression que c'est pas grave. Alors là, c'est pour ça qu'il est important de répertorier et de déclarer tout incident à ce niveau-là. Maintenant, lorsque les animaux sont à la maison, on a l'impression... Dans un jardin ou un balcon, est-ce qu'il y a risque? Alors, le problème du chat, c'est qu'il est baladeur. Voilà, on ne peut pas le suivre, tout à fait. Le chat n'est pas très baladeur, oui. Il n'a pas de frontières. Et donc, ils peuvent aussi entrer en contact avec d'autres animaux. Ils peuvent avoir des visiteurs, ils viennent à la maison, porteurs, même s'ils ne sont pas invités. Voilà, y compris le chien. Donc, c'est pour surtout ça que... s'ils sentent des odeurs de sardines en train d'être frits dans la cuisine, ils viennent. Pas que donc, mais l'important, c'est vraiment que les animaux soient à jour de leur vaccination. Mmh. Ça, c'est extrêmement important. C'est un premier, parce que déjà, ça réduit de manière importante et drastique le risque infectieux, le risque de contamination de l'animal s'il venait à être mordu. Donc ça aussi, c'est important d'une certaine manière. Et c'est pour ça que l'observance de la vaccination est importante. Ça, on l'a bien compris. Mais est-ce que les symptômes de la rage apparaissent tout de suite? Ça met combien de temps? On a parlé, professeur... Docteur Yahya, oui. Voilà. Merci. Alors pour la rage, la particularité de ce virus, c'est que c'est un virus neurotrope. Quand il est inoculé, donc par morsure, il va intégrer le système nerveux. Il va être acheminé par voie nerveuse jusqu'au cerveau. Et cette période d'acheminement par voie nerveuse, elle va différer selon le site de la morsure ou de l'infection. Et selon aussi la taille de l'individu mordu, ou par exemple si on prend un homme d'un certain gabarit qui a été mordu au pied, il va mettre plus de temps à développer la maladie, par exemple, qu'un petit enfant de 6 ou 7 ans, visage ou autre, parce que le trajet que met le virus pour arriver au cerveau est plus court. Et les symptômes,
ils vont apparaître, donc une fois le virus atteint le cerveau, parce qu'il va causer une encéphalite. Ouais. Et c'est là que va... Une encéphalite, c'est neurologique, donc voilà, pour rappeler aux auditeurs. Et les symptômes, ils vont commencer donc à partir de là, c'est-à-dire une fois que le cerveau est infecté. Donc ça va commencer par une phase prodromique, où il y a un syndrome grippal, fièvre, maux de tête, etc. Ensuite, apparaissent des symptômes beaucoup plus spécifiques d'ordre neurologique, donc qui peuvent aller jusqu'à la paralysie et la mort, etc. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Par rapport à la période d'incubation, ça dépend donc du corps. Et, oui. Voilà, et ça varie donc de quelques jours à, en moyenne, en moyenne c'est 3 mois, donc 12 semaines, mais il y a des cas extrêmes, donc qui peuvent aller jusqu'à 1 an, voilà. D'accord. Alors, est-ce que la rage se soigne, mesdames? Une fois les symptômes déclarés, la mort survient à 100%. En fait, alors... Allez-y, professeur Bounmadi. Effectivement, une fois que la rage est déclarée, c'est, on va dire, terminé. Néanmoins, lorsque nous sommes... Si la personne vient à être exposée à un animal qui est... à une morsure d'un animal suspect de rage ou atteint de rage, il y a aussi possibilité... En fait, les expositions sont différentes catégories. On a la catégorie 1, c'est-à-dire que lorsque vous êtes juste léché ou truc, et qu'il n'y a pas eu de contamination, vous n'avez pas de lésion, il n'y a pas eu effraction de la peau, donc pénétration du virus. Là, en règle générale, un lavage, parce que là, il faut qu'on rappelle, le fait de se laver les mains avec du savon pendant 15 minutes permet de réduire de manière extrêmement importante la charge virale. Donc, le premier réflexe, c'est de se laver pendant vraiment 15 minutes, savonner pendant 15 minutes avec du savon de Marseille. Et ensuite, désinfecter avec une solution à base d'iode, polyvidone iodé, de la teinture d'iode. Et donc, ça va permettre vraiment de réduire la charge virale. Ça, c'est dans le cas où il n'y a pas eu d'effraction de la peau, où la peau n'est pas lésée. Maintenant, lorsqu'il y a eu des morsures, lorsqu'il y a eu effraction de la peau, lorsqu'il y a eu pénétration de la salive et par morsure ou griffure, la catégorie 2 et 3, et lorsque l'animal est déclaré porteur de la rage, il faut le trouver. C'est différent, c'est-à-dire la prise en charge est différente. Ça va aller de la vaccination préventive à une sérothérapie. Et donc il y aura une vaccinothérapie qui va être mise en place et une sérothérapie à base d'immunoglobuline antirabique, c'est ce qu'on appelle la prophylaxie post-exposition. Donc à ce niveau-là, oui, c'est pris en charge au niveau des instituts Pasteur et la prise en charge doit être rapide et ça peut être efficace. D'accord. Et ça permet d'éviter, on va dire, l'inévitable, c'est-à-dire prévenir la mortalité de la rage. Mais ça va dépendre vraiment, vraiment de la précocité de la rapidité d'acheminement du patient qui a été mordu, griffé ou exposé vers un centre qui est en mesure de le prendre en charge. Tout à fait, si vous mettez un mois ou une semaine ou 10 jours pour réagir, ça sera peut-être un petit peu trop tard. Donc c'est pour ça, s'il y a un message à transmettre. Et surtout, moi je dirais, professeur Bounmadi, c'est surtout faire attention aux enfants âgés de 5 à 14 ans qui sont souvent victimes fréquentes de... On a 40% des cas, ce sont des enfants qui ont moins de 14 ans qui sont victimes qui sont des victimes. Néanmoins, je voudrais, il faut pas oublier qu'il y a aussi 60% d'adultes qui sont aussi exposés à la rage et qui peuvent en mourir. Ce n'est pas parce que nous sommes un adulte que on peut être épargné. Nous avons aussi des populations à risque qui sont en contact avec les animaux, comme les vétérinaires, comme les agriculteurs, comme les fermiers et qui doivent être à jour de leur vaccination, les maîtres chiens, donc toute personne qui est dans le cadre de ces activités professionnelles ou dans les animaleries, qui doivent être absolument à jour de leur vaccin. Donc vaccination, prévention, dernier mot avant de nous quitter, donc bien communiquer, bien sensibiliser. Extrême, je pense que si il y a une chose, c'est revenir aux basics. Oui, des spots d'annonces comme ça qui sensibilisent. Des spots sensibiliser grands et petits, mettre en place des petites campagnes de sensibilisation au niveau des écoles, au niveau des lycées, aussi auprès du grand public, pour essayer de rappeler ce que c'est que la rage, les moyens
moyen de prévenir la rage et aussi, bien sûr, essayer de mettre en place, on va dire, les moyens appropriés à disposition du personnel qui est au niveau des fourrières, qui est aussi, c'est ça, on les oublie, il y a des gens merveilleux qui sont en train de faire un travail ingrat, donc il faut soutenir. Mmh. Donc à ce niveau-là, que ça soit au niveau des fourrières, au niveau des services de la wilaya, donc il y a aussi des plans de formation à destination des techniciens, des vétérinaires et des médias, parce que aussi il faut que tout le monde en parle et en parle bien. Oui, et qu'on n'oublie pas que la rage continue de tuer. Donc vous avez au début donné le chiffre annuellement. En Algérie, on est entre 15 et 20 cas. Voilà, il faut qu'on arrive à zéro cas. Un dernier mot, docteur Yahyaoui, avant de nous quitter. Alors, je mettrai encore l'accent sur la vaccination des animaux. Oui. Soyez vigilants par rapport à toute griffure, morsure. Donc, il faut prendre les bonnes mesures pour justement la prévention, parce que c'est vrai que la rage est mortelle, mais aussi elle est à 100% évitable. Mmh. Et aussi, pensez, comme l'a souligné professeur Ben Mehdi, tous les acteurs qui sont en contact qui sont exposés à un risque de rage, notamment nos confrères, les fermiers. Il ne faut pas oublier la rage bovine. Oui. Donc aussi, toutes ces personnes-là devraient penser à se faire vacciner. Et qu'on arrive à avoir zéro cas. On le souhaite. Alors, en 2030, à peu près. On va tout faire pour, tous ensemble, je crois, tous les acteurs concernés. Ouais. Et on va essayer d'apporter chacun de nous sa petite... petite brique à l'édifice. Tout à fait. Merci à vous, mesdames. Je rappelle donc que nous sommes revenus sur cette journée d'études dédiée à la rage. La journée mondiale, c'est vers le 28 septembre. Donc nous, on l'a fait avant, plus près de vous, dans votre magazine sociétal. Merci à vous, docteur Yahyaoui Fatema, maître de conférence à l'École nationale de santé vétérinaire, professeur Ben Mehdi Malie Mehind, professeur à l'École nationale de vétérinaire. Merci d'avoir été avec nous. L'émission, vous pouvez la podcaster sur Radio Algérie chaîne 3. Mais juste avant, chers auditeurs et auditrices, avant la fin de cette émission qui a été dédiée à la lutte contre la rage et la santé publique, je vous invite à aller voir le film de Saïd Mehdaoui intitulé Le citoyen Pierre Chollet. Il retrace le parcours du professeur qui a permis de vaincre la tuberculose en Algérie dans le prolongement de son combat pour la guerre de libération nationale. Donc vous pouvez aller le voir, il est au niveau de toutes les salles de la Cinémathèque d'Algérie. Allez-y, c'est jusqu'au 30 septembre. Voilà, c'est la fin de l'émission. Je vous retrouve demain, même heure, même station. D'ici là, prenez soin de vous. Yemnage.